Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Robocraft avec un autre robot, un robot qu'on avait déjà testé, on va voir s'il est toujours efficace. C'est un robot volant toujours, mais ce n'est pas un hélicoptère. Donc comme ça, ça me permet de varier un petit peu les épisodes et les gameplays dans les vidéos. Ce sera donc un avion, entre guillemets, hein, à hélice, par... Quoique, il doit y avoir de la réaction à l'arrière, mais... Oui, il y a de la réaction, hein, clairement. On va voir s'il est toujours efficace, à quel point il l'est toujours. Et quelles sont ses capacités dans cette méta. Je serais curieux de voir s'il est toujours efficace ou si au contraire. Alors, comme je viens. Alors, je vais dire quelques petites choses, hein, déjà. Je viens de jouer avec la Mega Plasma, beaucoup plus lente, beaucoup plus lourde. Et donc toutes les capacités que j'avais avant, tout le gameplay que j'ai fait avant, dans l'autre épisode, ne me sert strictement à rien pour la simple et bonne raison. Il fallait forcément que je tombe sur un... Eh oui, on peut pas s'approcher des murs, mon pote. Boum. Voilà. On récolte ce que l'on sème. Voilà. Hop, j'essaie le coup de frein, le méga coup de frein. Me le renvoyez pas sur la gueule, s'il vous plaît. J'avais dit non. Youhou ! Hop. Ok. Je suis revenu en place. Ça va, tout va bien. Il y a juste DB1300 quelque chose qui vient me voir avec... Granola ! Non ! Moi je veux du granola aussi ! Voilà, j'ai mangé du granola. C'était bon. Je veux pas m'approcher de cet endroit. Je me fais assez souvent rect en fait. Ouh. Ouh, ça fait mal. Il a quoi comme... Il en a que deux. D'accord, ok, je pensais qu'il en avait une complète. Intéressant. J'ai bien envie de problème. Alors, j'ai bien envie de faire des personnages anti-aériens comme ça, chers amis, anti-aériens, heal, des full support, hein, ce que j'appellerais un full support moi personnellement. Mais le problème, c'est que si je prends de l'anti-aérien, je tombe jamais sur des parties avec de l'aérien en face. Ça c'est déjà vu, hein, pour ceux qui suivent un petit peu la série, vous êtes au courant. Ceux qui ne sont pas nouveaux, tout simplement. Hein. Je me fais rect souvent par. Enfin, je me fais pas rect, je me fais un petit peu. Entubé par le jeu. What? Merci. Oui, je t'ai reconnu, je m'en vais. Voilà. Un petit peu de santé, ça pourrait nous faire du bien, hein, cela dit. Crac. Bon, cela dit, en termes de points, on a un peu le dessus, hein, je veux pas dire, hein, mais... J'ai cru que je pourrais le rect. Je me suis trompé. Faut pas se voiler la face, hein, j'ai cru que je pouvais, vous savez, le... Pff, un petit coup, le burst damage. Mais le coup du bouclier, je ne l'ai pas vu venir. C'est dommage parce que c'était pas loin. Amazing Red Warrior, ça vient de quelque chose ça. Ce serait pas un Power Ranger ça. Ça me parle.
ça me parle, ça me parle, ça me parle. En tout cas, il est dead. Ah, je suis... Ouais, c'est clair que c'est trop bas, là. Ah, la régène de ouf gueudin, quoi. Ok, non, c'est bon, je me casse. J'ai dit que je me cassais. J'ai dit que je me cassais. C'est bon. Je me caresse le dos sur... Enfin, le ventre sur le sol, du coup, le ventre. Et on repart. Oula. Ah. Où est-ce qu'il est? Là. Non. Il est à moi. Non mais oh. Ah, il y a Amazing Red Briar qui n'est pas d'accord. Ah bah... Bah tu défends finalement. Je croyais que tu défendrais pas. Merde à la fin. Oula, ils veulent ma mort. Dans le coin, je crois qu'ils veulent ma mort. Voilà. J'aimerais voir ce que c'est que Deathblock comme robot. Apparemment il est OP, d'après ce qu'il dit, lui-même. Ah, j'ai pas vu. Merde. J'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Bon bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis, on est loin derrière, hein. Sans conteste, hein. Partie très rapide, très peu de points donc. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Et pourquoi pas? Bon bah, la suite alors du coup, chers amis. La suite, la suite, la suite. Ok, chers amis, donc on reprend avec un vieux sniper qu'on avait il y a très longtemps. On avait pu le test. Alors je suis en train de sur le point de répondre à un commentaire. Je me rappelle pas qu'il y avait autant de détails dans les... Putain, il est solide, dis donc, ouais. Ok. Voilà. Alors ? Non mais oh, c'est quoi ce bordel ? Boum ! Boum ! Boum ! Raté. Faut viser avant. Boum ! Merde. Boum ! Dit-il. Ah ! Fouette. Ah, c'est pas vraiment là que je voulais aller. BOUM! Oh, c'était dommage. Oh, j'étais tellement fier de ce coup. J'étais tellement fier de ce strike shot. De comment qu'ils appellent ça, de flick shot, pardon. Strike shot, ça va plus. J'irai voir ça tout à l'heure. C'est pas grave. La question étant, est-ce que je vais continuer Starbound ou reprendre Starbound? Oui, je vais reprendre Starbound quand il y aura une mise à jour. Je vais faire une vidéo à ce sujet-là, de toute façon. Clairement, il nous faut une vidéo à ce sujet-là, finalement. Il n'y a pas d'autre moyen. Vas-y, sors sa tête. Voilà. Ah, merde. Voilà, merci. Encore merci. Putain. Waouh. Désolé, je t'avais oublié. Enfin, je t'avais pas vu, surtout. Oh.
Voilà. Boum. Ah. Qu'est-ce qui me fait ça? Qu'est-ce qui me fait ça? Qu'est-ce qui me fait ça? Wouhou. Ah, y'a Racklock encore. Aha, do your job. Aha. Anti-aérien, do your job. Anti-aérien, je dirais, non? C'est ça qu'il veut dire, non? Je sais pas, j'essaie de comprendre un petit peu ce qu'il veut que je fasse, mais... Wouah, il y a des phrases bizarres dans le chat. Question, ça passe à travers ou pas? Aha. Bonne réponse, non. Oh non, Nissan, you're too big. Aha. Je crois que AA ça veut dire anti-aérien, mais... Bah écoute, je veux bien le faire mon job, mais... Bien, c'est un copain, je suis con. Ils sont seulement trois. Mais hey, t'es rigolo. Il est débile. Je passe mon temps à chercher les cibles en vol, et du coup je me fais rire par les cibles au sol. Il est rigolo lui, il s'énerve, bah tiens. C'était mignon dans la présente game, hein. Je veux pas dire, mais... Tiens, y'a ça maintenant. Je savais pas. Oula. Non, calme-toi. Je peux même pas sniper en venant ici, donc... Poupi 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 pou. Faudrait que je fasse tout son taf, mais enfin, il est rigolo lui. Et puis en plus il est aérien quoi, c'est débile. Quand on sait que dans l'autre game il faisait tous les kills aériens quoi. C'est continue à rager, c'est cool, elle est cool ta vie. Ok, je l'ai vu. J'ai eu l'impression de le voir pourtant.
Allez. Pas passé loin, hein. Putain, c'était juste un bug. J'avais mes jambes. C'était juste un bug. Ce jeu qui me troll, par plaisir du troll. Oh mais non, mais non, mais va te faire foutre toi. Putain, mais je suis méga focus quoi. Je suis méga focus. Ah, c'est pas grave. Ah par contre, à force de jouer, je me fais mal dans le poignet, tiens, c'est rigolo ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mes soirées maintenant du coup? Ah là là. Bah je vois Dofus Touch, pas grave. Soyons fous. Ok. Voilà, j'ai eu un aérien. Si vous pouvez le finir maintenant, ce serait cool. Ok. C'est littéralement de les reprendre au vol, mais... Tiens, je t'ai vu. Voilà. Putain. Ah, elle est super la couverture, hein. Elle est super la couverture alliée, quoi. C'est magique. Enfin bon, c'est pas grave. En fait, ce qui m'emmerde le plus, c'est de m'être fait gueuler dessus alors que je faisais le bon boulot pour faire le job, quoi. Enfin, je fais mon possible pour faire le job, pardon. C'est... Ah, le petit bruit en plus. Bien violent. Ok. Bon, bah pourquoi pas, alors. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, nous, on va cesser là pour cet épisode, je pense. Merci de l'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yo!